France s'intéresse beaucoup à l'Arctique depuis longtemps, à raison d'une longue tradition d'exploration scientifique. Tradition ancienne et souvent confirmée. Dans ma qualité de Premier ministre, j'ai souvent découvert que si notre métier, à nous politiques, consiste à défendre les intérêts nationaux, il n'existe pas de définition, de porte-parole, ni d'émetteur et de descripteur de l'intérêt général. La vision de la France, la vision géopolitique, elle est bien connue, elle est celle de tout le monde, mais elle n'est pas traduite partout. Le réchauffement climatique va transformer l'Arctique en faisant une région de la Terre utilisable à peu près comme les autres. Pour le commerce, pour le tourisme, pour la recherche, pour la pêche, pour tout. Et dans ces conditions, il nous paraît nécessaire de préparer le statut législatif international de ces activités qui seront celles de tout le monde. Et il y a là de l'intérêt national, chacun, la sécurité bien sûr, mais il y a surtout un intérêt international encore mal défini et mal exprimé. Et la France a pris là la responsabilité d'inclure dans sa diplomatie nationale une part de défense de ce qui est incontestablement un intérêt général. C'est l'élément le plus novateur de notre stratégie actuelle que je voudrais faire passer comme message.